Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas un unboxing ouverture de cadeaux remportés au jeu concours, mais plutôt une vidéo mise au point, une vidéo blabla, papotage. J'ai eu l'idée de réaliser cette vidéo qui me fait super plaisir pour mieux expliquer pourquoi j'ai décidé, il y a 3 ans maintenant, d'ouvrir une chaîne YouTube concouriste, mais pas que. Donc sur ma chaîne, on retrouve beaucoup de vidéos unboxing avec des cadeaux que j'ai remportés grâce au jeu concours, grâce à ma passion. Mais pas que, on retrouve aussi des voyages, des vlogs, des recettes de cuisine vegan, mais aussi healthy, des bons plans comme les budgets vacances, les budgets alimentaires, aussi pour la solidarité. Hein, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans le partage et dans la solidarité. Donc là, j'avais fait l'année dernière les boîtes à chaussures, par exemple, pour les SDF. J'avais trouvé que c'était une superbe idée. Cette année, je n'ai pas renouvelé l'opération, j'ai préféré donner de l'argent. Donc, pour en revenir au pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube il y a 3 ans, c'est très simple, je vais aborder avec vous plusieurs points. La première chose, c'était pour les souvenirs. Et on va me dire, mais attends, les souvenirs, pourquoi les souvenirs? Pourquoi faire? Mais tout simplement, c'est que moi, je suis concouriste de très longue date. Qui se souvient, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'il a gagné? Comment il l'a gagné? Avec qui il l'a gagné? Moi, ici, par exemple, chez moi, bon, moi, c'est très grand, ça fait 120 mètres carrés. Et dans chaque pièce de mon appartement, j'ai beaucoup de choses que j'ai gagnées. Ça peut être ma machine à laver, comme pas mon lave-vaisselle, mais mon sèche-linge, la machine à café, enfin, y a, la télé, enfin, j'ai gagné beaucoup de choses. Et dans chaque pièce, comme ça, quand je me remémore, je me dis, ah tiens, bah, je peux dire que ça, je l'ai gagné, ça, je l'ai gagné, ça, je l'ai gagné. Mais je me souviens plus avec qui, comment je l'ai gagné, parce que ça, c'est souvent des questions qui reviennent. Ah, t'as trop de chance, mais, mais comment t'as fait pour gagner ça? Comment t'as fait pour gagner ta télé? Comment t'as fait pour gagner ton sèche-linge? Eh bien, il y a des fois, je me dis, je sais plus, c'est avec telle marque, je sais plus, fallait acheter ça ou fallait faire ça. Et dans mes vidéos, ça me permet donc non seulement de me souvenir de tout ce que j'ai gagné dans l'année, avec qui je l'ai gagné, comment je l'ai gagné, mais pas que, il y a aussi les émotions, c'est-à-dire quand j'ouvre mon colis, je revois vraiment les émotions que j'ai eues au moment de découvrir mes cadeaux. Et quand des fois je revois mes vidéos, je me dis « Ah ouais, ça je m'en souviens, je m'y attendais pas, j'étais trop contente, ah ça j'étais déçue. » Voilà, donc c'est pour aussi les émotions. J'ai aussi créé ma chaîne YouTube pour le partage, pour trouver une communauté, pour trouver des personnes qui me ressemblent. Quand on est concouriste, on est très souvent des loups solitaires, on joue dans notre coin, on est seul. Et parfois, de temps en temps, faire partie d'une communauté. Alors, être sur des forums, des groupes, c'est une chose, mais avoir vraiment des abonnés avec qui on peut discuter. Et ça, la plupart d'entre vous, vous pouvez le dire, hein, que vraiment, dès qu'on m'envoie un message, je réponds quasiment à la minute. Je suis extrêmement réactive au message. J'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours et je réponds à tous les messages. Dernièrement, c'est sous les messages, les commentaires de mes vidéos où il y en a encore beaucoup, j'ai pas répondu parce que j'en ai eu vraiment beaucoup là. J'ai pas encore répondu, mais je ne vais pas tarder à le faire. Donc ensuite, de l'eau a coulé sous les ponts, j'ai donné beaucoup d'astuces, beaucoup de conseils pour les jeux concours. J'ai beaucoup d'abonnés qui se sont inscrits sur le site de référencement de jeux concours dont je fais partie, qui ont énormément gagné et qui sont devenus à leur tour concouristes. Alors pour devenir concouriste, hein, ça ne se passe pas en un claquement de doigts, ça demande beaucoup d'investissement personnel, de l'investissement financier. Je ne vais pas reparler de qu'est-ce qu'est un concouriste et comment le devenir. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ce sujet que vous pouvez aller revisionner sur ma chaîne. Donc ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube, 3 ans que je partage avec vous tous les mois en vidéo tous les cadeaux que je reçois, enfin tous les cadeaux, non, je vous l'ai déjà dit, je ne montre pas tous mes cadeaux et je ne les montre pas tous pour différentes raisons. D'une part, je gagne pas mal sur les live shopping et la plupart, ils donnent le nom, le prénom et l'adresse, enfin pas l'adresse, la ville. D'autre part, il y a des cadeaux que je ne veux pas dire parce que les jeux sont toujours en cours. Et pour ne pas porter préjudice aux personnes qui payent un abonnement payant sur le site de référencement
ou pour ne pas porter préjudice aux personnes, aux concouristes qui auraient déjà le jeu et que d'autres n'auraient pas, si je parle, si je montre que j'ai gagné tel cadeau, que le jeu est toujours en cours et que les personnes n'ont pas, et que les personnes n'ont pas connaissance de ce jeu, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous se ruer sur le jeu, et les personnes qui avaient le jeu et qui n'ont pas encore gagné, bah, toutes leurs chances sont amoindries. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur que j'ai toujours mis dans mes vidéos, c'est de ne montrer les cadeaux qu'une fois que le jeu est terminé, ou si ce n'est pas le cas, si le jeu n'est pas encore terminé, c'est qu'il y a tellement de lots à gagner que tout le monde a ses chances. Donc pourquoi j'avais aussi créé ma chaîne YouTube, c'était pour l'entraide et la solidarité, pour pouvoir démontrer que les jeux concours existent bien, pour pouvoir démontrer qu'on reçoit bien nos cadeaux, qu'on peut gagner avec un seul et unique compte. Hein, quand je vous mets tous les jeux, tous les cadeaux que je gagne sur Instagram, je mets toujours la capture écran avec mon pseudo. On voit bien que c'est toujours le même pseudo et toujours le même profil qui gagne. Ça démontre bien que je ne joue qu'une seule fois, que je n'ai pas de multi-compte et que tout, si moi je peux y arriver, d'autres peuvent y arriver aussi. Donc ce petit point pour expliquer ça. Et puis j'ai expliqué aussi il y a quelques temps que j'allais arrêter ma chaîne YouTube. J'avais même enlevé pendant quelques jours toutes mes vidéos. Là, effectivement, j'ai eu beaucoup de retours d'abonnés. Me disant oui, Sandrine, même si t'arrêtes, laisse tes vidéos parce que j'aime bien les revisionner, etc. Donc du coup, j'en ai remis beaucoup en public. Et ce que je me suis dit, donc déjà les unboxings vidéo, je ne les ferai plus. Je ne pense que je ne les ferai vraiment plus. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai appelé ma chaîne Family Concours? Parce que moi, je fais mes concours, j'ai toujours fait mes concours avec mes enfants, avant ma chaîne, hein, bien évidemment, puisque ça fait des années que je pratique les jeux concours. Et je me suis aperçue que depuis que j'ai créé ma chaîne, je me suis retrouvée toute seule, c'est-à-dire seule dans mon bureau, seule devant ma caméra, seule à ouvrir les cadeaux, seule à les découvrir et seule à être euphorique, joyeuse en découvrant les cadeaux. Et ça, je ne veux plus de ça, parce qu'on a toujours ouvert mes cadeaux reçus, gagnés au jeu concours, ensemble, en famille, avec les enfants. Et ça, je ne et ça. Je veux plus de ça, je ne veux plus être seule, je veux retrouver la vie que j'avais avant, c'est-à-dire l'ouverture des gains avec mes enfants en famille. Autre chose, comme vous le savez, quand je faisais mes séquences vidéo, j'attendais soit le mois entier pour ouvrir tous mes cadeaux en une seule fois pour la vidéo, soit je faisais plusieurs séquences dans la vidéo, mais il me fallait au moins 3, 4, 5 cadeaux, j'attendais quand même d'en avoir quelques-uns pour faire une séquence. Et eh ben ça c'est pareil, je ne le ferai plus parce que quand je gagne des choses, c'est la plupart du temps pour mes enfants. Et quand ils savent que j'ai gagné quelque chose, je leur dis tout de suite. Par exemple, la dernière fois sur un live shopping, j'avais gagné l'énorme figurine Dragon Ball Z Collector pour mon fils. On l'a reçu, le colis était là, il était énorme. Et il n'a regardé le colis comme ça pendant tout le mois jusqu'à ce que je l'ouvre et je ne veux plus de ça. Ça, franchement, je m'en étais même pas rendu compte, quoi. Qui me disait, oui, est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux juste l'ouvrir comme ça? J'avais dit non, parce que moi, j'aime bien ouvrir mes colis face caméra avec vous. Et ça, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus faire patienter mes enfants par rapport, enfin, mettre en avant les abonnés par rapport à mes enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est mes enfants d'abord. Donc, on reçoit maintenant les colis. Au jour le jour, ils sont ouverts, c'est eux qui les ouvrent, on retrouve cette joie, que ce soit eux qui aillent les chercher quand, par exemple, ils arrivent en relais, qu'ils les ouvrent, qu'ils les découvrent et qu'ils aient leurs choses tout de suite, leurs cadeaux tout de suite et qu'ils en profitent tout de suite. Retrouver cette ouverture, ce contexte familial et intimiste qui m'avait énormément manqué en fin de compte et je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. C'est comme à Noël. Vous savez, j'ai inculqué ça à mes enfants depuis qu'ils sont tout petits. On ouvre les cadeaux de Noël exclusivement le matin, ensemble, en famille, quand chacun a pris tous ses cadeaux. Chacun ne part pas dans son coin ouvrir ses cadeaux. Hein. On est tous ensemble, chacun a sa partie de cadeaux, et chacun ouvre un cadeau, chacun leur tour, afin que les autres puissent apprécier et découvrir les cadeaux de chacun. Donc déjà, ça fait durer le plaisir, ça fait un moment vraiment très convivial et en famille,
Et c'est ce que je fais, les jeux concours, nous, voilà, c'est Noël pratiquement tous les jours, puisque je reçois pratiquement tous les jours des cadeaux. Et là, depuis que j'ai arrêté ma chaîne, vraiment, déjà psychologiquement, à me dire c'est fini, je fais plus d'unboxing, waouh, j'ai eu un soulagement par rapport à ça. Mais voilà pourquoi je pense que je ne referai plus de unboxing vidéo, en tout cas comme je le faisais auparavant. Par contre, comme maintenant il y a les shorts sur YouTube, c'est des mini vidéos un peu comme des stories, comme sur Instagram. Eh bien, je pense que de temps en temps, une à deux fois par semaine, je ferai un short comme ça sur YouTube avec une mini ouverture de colis pour un ou deux cadeaux. Voilà, j'ai pensé à faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ma chaîne, je pense que, alors déjà, je vais laisser mes vidéos. Je ferai beaucoup plus de vlogs, voyages et séjours gagnés. Comme là, dernièrement, on est parti en Angleterre, 10 jours, j'ai gagné, voilà, 10 jours à Londres, on a fêté Halloween là-bas, tout était inclus, on est parti en bateau, il y avait l'hébergement, enfin, on a fait. Enfin, voilà, on part à Londres presque tous les ans, hein, hors Covid, bien sûr, mais c'est toujours des séjours que je gagne. J'ai gagné aussi le grand séjour VIP Harry Potter avec les studios Warner Bros, c'était génial. Je pense, voilà, que sur ma chaîne, maintenant, ce sera des choses comme ça. Des shorts pour des ouvertures de mini-gains, des mini-vidéos de gains, des vlogs voyage, peut-être aussi des petites vidéos bon plan ou blabla, papotage, des recettes de cuisine, voilà. Ouais, je pense que ça va être comme ça maintenant. Et par contre, comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus active sur Instagram, je mets des photos, des stories, des réels, voilà. Et j'organise aussi toujours des jeux concours avec des partenaires. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Allez, je pense en avoir fini. Je pense avoir fait le tour de ce papotage blablatage. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Enfin, en bas, là, sous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Bah, peut-être dans une nouvelle vidéo ou un short. Ciao, ciao!